bien? Moi oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat. Donc c'est principalement presque toutes des vêtements. Donc il y en a beaucoup pour moi, mais il y en a aussi pour un de mes fils. Donc si ça vous intéresse de voir les vêtements plus comme printemps que j'ai acheté, restez à l'écoute. Donc j'avais pas le choix d'aller magasiner pour des vêtements parce que tous mes chandails me faisaient plus. Suite à ma perte de poids, fait que je suis rendue à comme 34 livres de perdu, fait que c'est sûr que mes chandails larges c'était rendu tout trop loose comme ici là, comme ça, si vous voyez là, c'est un small. Fait que j'ai ouais, j'ai vraiment comme aucun, j'avais plus aucun chandail pour de vrai dans ma garde-robe qui me fait comme à ma taille vraiment, parce que oui, tu sais, je peux mettre quand même les chandails larges, mais on s'entend comme tu sais, c'est vraiment plus loose. Donc, c'est ça, j'ai été magasinée, je n'ai pas acheté des chandails trop chers non plus, là, fait que j'ai été au Zara, là, il y a quelques-uns de ces morceaux que vous m'avez déjà vu porter, parce que je les ai mis. Donc, je vais vous dire les grandeurs aussi. Celle-là, j'ai pris dans un small, parce qu'il y en a que j'ai pris médium. Fait que c'est une camisole qui est quand même faite comme style loose, puis elle, je l'ai portée, là, fait qu'elle est comme fripée. Mais j'aime vraiment beaucoup la couleur, je trouve que ça me va bien là, cette couleur là. Donc tous les chandails étaient comme moins de 20$ là, presque. J'ai porté aussi celui-ci, puis il y en a plein qui me disaient que la couleur m'allait bien. Donc celui-là il est comme, j'ai-tu pris un small? J'ai pris un medium dans celui-là, il est comme un peu plus lousse. Comme ça ici, fait que j'aime beaucoup cette genre de jaune. Ce genre de jaune, comme ça. Je voulais, c'est sûr, acheter comme le classique chandail t-shirt blanc loose, puis un plus ajusté. Donc, dans celui loose, j'ai pris un medium, puis c'est encore au Zara, puis il est juste comme avec une petite poche, et il est loose. C'est vraiment confortable. Maintenant, avec mon jeans comme plus très haut, je peux le mettre comme, tu sais, devant, là, genre. En tout cas, c'est ça. Derrière le jeans, là, je trouve que ça fait beau. Donc voilà, ça c'est un qui est loose. J'en ai acheté un plus ajusté. Lui, je l'ai pas encore porté. Lui, c'est un small. Lui, il était 25$. C'est lui qui était comme un peu plus cher. Mais c'est un... Qu'est-ce que j'aimais? C'est le petit détail comme ça ici. Puis il y a une petite poche aussi, mais lui, c'est comme ajusté. T'sais, l'autre, c'était loose. Fait que tout ça, c'est mes chandails du Zara. Ah non, j'ai une autre camisole aussi. Je sais pas, j'aimais le style. Elle était 19. J'ai pris une medium. J'aimais que ça soit comme un petit peu loose. Fait que je sais pas si vous voyez le tissu, là. Mais c'est comme... Ben, c'est un petit peu transparent, là. C'est pour ça que j'ai pas pris la blanche quand je l'ai essayé. Mais c'est comme extensible, on va dire. Je trouvais que c'était beau, genre juste une petite camisole classique noire. Parce que là, j'ai littéralement plus aucune camisole. C'est pourquoi j'ai été aussi au Vera Moda, puis j'ai acheté d'autres camisoles. Fait que j'ai acheté elle que j'ai sur moi. Je vais vous la montrer en fait. Je l'ai acheté en deux couleurs. Ok, j'en ai un dans mon bac de linge sale. Ouais, j'ai oublié de le sortir. Je l'ai pris dans la grandeur small et ils étaient à 19$, mais il y avait, je pense, 25 ou 35% de rabais sur les chandails quand j'avais été. Mais là, ça fait comme 2 semaines peut-être. Mais elle est comme ça, dans le fond, la camisole. Fait que je l'ai pris dans le bleu pâle. Je l'ai pris dans un rose qui ressemble au rose de tantôt. Mais comme je vous dis, il est dans le lavage. Et je l'ai pris dans le gris. Puis je les aime beaucoup, ils sont confortables. Ils ont comme une coupe plus ronde dans le bas. Puis c'est ça, là. Je suis vraiment bien dedans. Ils sont pas... c'est comme fait un petit peu loose, là, au niveau du ventre. Mais comme... Ben là, moi, ça fait plus ajuster en haut parce que ma poitrine est plus forte. Mais sinon, je pense que ça serait comme un petit peu loose. Et j'ai pris lui qui vient de sécher et qui est fripé. Je le trouvais trop beau, c'est un t-shirt jaune, flash. Et c'est écrit lipstick and high heels. Donc, un petit chandail. Et lui, je l'ai pris dans le small aussi. Bon, mon dernier morceau de vêtements, c'est une paire de jeans. Donc, si vous suivez un petit peu... ma perte de poids, je m'étais dit que j'allais m'acheter un jeans blanc quand que j'allais
atteindre un petit peu le poids que je voulais. Puis quand j'avais réussi à l'atteindre, ben j'en trouvais pas. C'est tout le temps de même. Hein. Puis là, l'autre jour, j'ai été m'acheter les souliers que je vais vous présenter. Et j'ai trouvé ce jeans blanc au Simons. Donc c'est un Levi's. Et il était à 49,95 au lieu de 98. J'étais bien contente de mon affaire. Surtout que j'en voulais un. Et que, bon, si vous voulez savoir, je suis dans la taille 28. Je sais pas qu'est-ce que ça donne dans les autres grandeurs, genre 7, tout ça. Mais bon, 28. Puis, il est trop confortable. Puis, dans le fond, la taille, c'est écrit que c'est un super filiforme altitude à la cheville. Taille extra haute, hanches et cuisses étroites. Voilà la description. Fait que c'est juste un super beau jeans skinny, très taille haute, blanc. Je suis trop contente. Sérieux, je voulais vraiment un jeans blanc, mais comme avec 35 livres de plus. J'étais peut-être moins confortable avec un jeans blanc. Puis moi, tout mon secondaire, là, j'avais mon jeans blanc. Je portais toujours mon jeans blanc, genre toujours. Il était rendu comme plein de taches noires là, à cause de l'hiver. Là. Quand c'est dégueu dans la rue, ben ça tachait tout en arrière. Je l'ai tellement porté là, genre jusqu'à temps qu'il se déchire là. Jusqu'à temps que le tissu vienne trop mince. Fait que je suis bien contente d'avoir un bon jeans blanc. Surtout au prix que je l'ai payé. Puis j'avais été au Simons, puis ça je l'ai acheté cette semaine. Fait que si vous le voulez, c'est sûr qu'il est comme encore en rabais là. Mais moi j'ai été en magasin. Puis j'ai été au Simons parce que je recommence à travailler le 28 mai, ce qui est très bientôt. Puis j'avais besoin des souliers noirs pour travailler. Puis moi, je m'achète toujours des souliers que je vais porter en dehors du travail, là. Comme, c'est ça. Fait que j'ai pris des boots noirs comme ça. Fait qu'il y a une plateforme comme plus haute. J'espère que je vais pas me faire chicaner parce qu'il y a comme pas mal de blanc. Mais bon, j'ai pris ceux qui sont... c'est quand même simple, il n'y a pas de ligne, quoi que ce soit. J'aimais vraiment, vraiment, vraiment ceux avec la ligne puis les lacets. J'ai peut-être mis à acheter à un moment donné, mais j'ai été avec celle-là pour le travail. Fait que c'est la paire que tu fais juste glisser à l'intérieur. Moi, je suis dans la grandeur 7 pour femme. Fait que voilà, ils sont vraiment confortables puis c'est ça. Je vais avoir hâte de les mettre pour travailler. Mais tu sais, je vais les mettre peut-être tantôt aussi, là, mais... c'est mes souliers de travail. Maintenant, on est rendu aux vêtements, ben oui, de mes garçons. Pour l'instant, ça va être à mon garçon Jaden, puis plus tard, ça va être à Maverick. J'ai pas acheté de vêtements à Maverick parce que j'ai comme de la misère à concevoir d'acheter des vêtements quand il y a tous les vêtements de son frère. Vous comprenez? Dans le sens que, tu sais, j'en ai pas besoin. Rendu à l'été, je verrai si j'en ai besoin, mettons, côté short et des trucs comme ça, mettons, les grandeurs qui fit pas nécessairement, mais je suis pas mal chanceuse parce que oui, ils sont pas des mêmes saisons, mais Maverick est peut-être plus grand et plus gros que Jaden, alors je suis pas mal sûre que les shorts de Jaden l'an passé vont faire à Maverick cet été. Mais bon, là Jaden était vraiment rendu à changer de grandeur, puis là j'ai littéralement rien d'autre dans les grandeurs après. Fait que je trouve ça vraiment le fun, acheter des beaux morceaux de vêtements, tu sais, quelques-uns. Puis c'est ça. Fait que j'ai acheté des nouveaux pantalons et des nouveaux t-shirts. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ces chandails qu'il y avait comme en ce moment qui sont rendus un peu trop courts, c'était des chandails à manches longues. Fait que là on change de saison, fait que j'ai acheté des t-shirts. Fait que je vais vous montrer les pantalons en premier parce que je les trouve tellement beaux là. Fait que les pantalons c'est du 2-3 ans. En ce moment, Jaden il était comme... dans le 24 mois de pantalon, tu sais, parce qu'il est mince, alors sinon c'était trop lousse là, mais l'affaire c'est que c'est comme plus court. En tout cas, avec les 2-3 ans, je pense que ça va être bien là. Ceux-là sont tellement cute, ils sont genre un beige blanc là, en tout cas, avec plein de baleines dessus, c'est trop beau. Puis ils sont comme plus ajustés dans le bas, puis dans le haut c'est quand même plus grand, fait qu'avec les couches lavables c'est bien. Puis ça c'était 14$. Puis vous allez voir, comme pas mal tous les t-shirts que j'ai achetés, ça va bien s'interchanger entre les pantalons. Fait que c'est des petits pantalons légers. T'sais, j'ai pas acheté de jeans ou quoi que ce soit. Là, on s'en va vers l'été. Fait que je voulais des trucs légers. Lui, je le trouvais tellement beau là. C'est ligné blanc. Non, c'est comme beige blanc cassé en tout cas. Encore serré dans le bas, mais comme plus.
Lousse ici, il est comme... C'est comme si c'était une poche ici. Lui était 17$, donc je l'ai aussi pris dans le 2-3 ans. J'ai vraiment hâte d'y mettre. Je pense qu'on va y mettre ça tantôt. Puis, c'est ça. Donc là, j'ai pris deux pantalons. Puis quand ça va être rendu plus vers l'été, ben j'y achèterai des shorts, là. Là, j'ai pris des t-shirts parce que c'était vraiment ça qu'il avait besoin, là. Ces chandails sont rendus trop courts, puis c'est toutes des manches longues. Donc, j'ai pris des 3-4 ans. Puis, moi, je mets tout dans la sécheuse. Donc, ceux du Zara, ils raccourcissent quand même. Donc, tu sais, ce qu'il y avait en ce moment, c'était du 2 ans. Ou certains chandails du 2-3 ans, puis là, c'était comme un petit peu trop court. Fait que, je vais avec le 3-4 ans. J'ai pas le temps de faire sécher mes vêtements. Donc, wow, on voit pas trop, là. Ben, ouais, c'est ça. Ça, c'est le seul qui a un genre de motif, là. C'est écrit « Oh yeah ». Puis, c'est drôle parce que je magasinais ces vêtements avec mes garçons. Puis, à chaque fois que je montrais les choses, ils étaient comme « Wow ». Fait que j'étais comme « Yes ». Ouais, fait que c'est un drôle, le matériel, là. Je sais vraiment pas comment dire. Mais c'est un petit dégradé de menthe à genre blanc. Puis, lui, il était à 7,90$. Pour de vrai, les t-shirts, j'y trouve vraiment pas cher au Zara. Puis, j'y trouve vraiment beau. Et, tu sais, j'aime bien magasiner. J'aime bien aussi magasiner au Carter's. Mais souvent, mettons, quand t'achètes un morceau au Carter's, tu vas voir 100 enfants avec le même morceau. Au Zara, un petit peu moins parce qu'il y a tellement pas de stock que, genre, si tu l'achètes pas, après, c'est d'autres choses. Fait que je trouve ça quand même le fun. Mais même à ça, j'achète des morceaux aussi au Carter's parce que je les trouve beaux, mais c'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup magasiner au Zara. Donc, un autre 3-4 ans, il était 9,90$ et c'est un petit t-shirt comme ça ici, un peu comme le style du mien que je vous ai montré, là, c'est comme replié. Et il y a comme une grosse poche à l'avant, fait que juste blanc. Je sais que blanc, c'est salissant, surtout à son âge, mais... je trouve ça beau pareil, puis je sais pas, j'ai toutes mes chandails blancs, j'ai quand même, puis je leur mets même pas de bavette quand ils mangent, puis ça tâche pas trop. Je suis comme un peu chanceuse, je trouve. Donc celui-ci, 3-4 ans, 7,90$, c'est un petit chandail blanc ligné gris, puis c'est le fun, ils ont les petits boutons là, mettons votre enfant il a une grosse tête, ce qui est pas le cas de Jaden, mais mettons Maverick, c'est utile. Et il est juste comme ça ici. Fait que juste ligné blanc et gris. J'aime bien comme y aller plus simple. Puis là, vous voyez comme je peux mixer ça avec le, t'sais, les baleines là, dans le pantalon, mettons. Puis j'ai acheté ben parce que je trouvais que c'était pas cher, 7,90$. Puis je l'ai pris dans le bleu marin et blanc. Fait que je trouve que ça fait petit matelot, là. Je trouve ça beau. Alors voilà mes achats que j'ai fait dernièrement, c'est tout comme vêtements de printemps là, comme vous pouvez voir, et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!